Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur le plateau de C'est ce soir. C'était un mince espoir ces dernières heures, mais c'est un espoir déjà déçu. Un cessez-le-feu de 3 semaines au Liban, proposition faite par les Français et les Américains, est balayée d'un revers de main par Benjamin Netanyahou aujourd'hui, qui affirme sa volonté de poursuivre les combats avec toute la force nécessaire contre le Hezbollah. La guerre est donc partie pour durer, avec son lot quotidien de bombes, de roquettes, de morts et de déplacés, avec aussi ses traumatismes qui se réveillent chaque jour un peu plus de chaque côté de la frontière. Nous allons en débattre, en discuter ce soir avec nos invités, qui sont tous d'une manière ou d'une autre confrontés à cette question. Comment se construire quand la guerre fait partie intégrante de son quotidien et de son histoire? Comment continuer à espérer? Comment ne pas se laisser envahir par la haine, le ressentiment ou la vengeance? Qu'on soit libanais, israélien ou palestinien d'ailleurs, y a-t-il encore de la place pour entendre la souffrance de l'autre? Nous sommes le jeudi 26 septembre, c'est ce soir, c'est parti. C'est ce soir avec Camille Diao, bien sûr. Salut Camille. Après plusieurs émissions plus géopolitiques, plusieurs débats plus géopolitiques sur ce qui se passe dans la région, nous voulions ce soir entendre la voix de celles et ceux qui vivent, j'allais dire, dans leur chair ces guerres à répétition. Conversation pas forcément évidente, mais indispensable selon nous. Bonsoir Yami Arad, bienvenue. Soyez la bienvenue sur ce plateau. Vous êtes libanaise, romancière. Vous vivez à Beyrouth avec vos deux filles, je crois, et vous êtes en attente d'un avion pour les retrouver, a priori ce week-end. Votre dernier roman s'appelle Implosion. Il est ici, Implosion avec un S, aux éditions Les Équateurs. Chronique des jours qui ont suivi l'explosion du port de Beyrouth en 2020, qui vont réveiller les traumatismes chez vos personnages, comme, j'allais dire, comme cette nouvelle guerre rouvre à son tour des cicatrices dont on va parler. Autre voix libanaise ce soir, franco-libanaise, Sabil Goussoub, bienvenue, écrivain et journaliste pour le quotidien francophone libanais L'Orient le Jour. Prix Goncourt des lycéens il y a 2 ans pour votre livre Beyrouth sur Seine. Vous êtes né en France à la fin des années 80, oui. De deux parents libanais qui avaient fui la guerre civile au Liban. Vous êtes en quelque sorte un enfant de l'exil et vous avez depuis vécu à Beyrouth, presque toute votre famille vit là-bas aujourd'hui. Et vous avez décidé de prendre la parole pour, je crois, faire entendre le désespoir des Libanais et la panique, dites-vous, qui est en train de s'emparer du pays. Comment se construire en tant que Libanais? Comment se construire aussi en tant qu'Israélien dans un pays où chaque citoyen est confronté un jour ou l'autre à la guerre? Bonsoir Jonathan Effetz, bienvenue. C'est votre cas, vous qui êtes Israélien, vous étiez soldat lors de la guerre du Liban de 2006. Vous avez aussi, je crois, servi dans la bande de Gaza. Vous êtes aujourd'hui un activiste pour la paix, directeur de l'association Seeds of Peace, les graines de la paix en français, que vous dirigez avec un ami palestinien. Et vous êtes notamment à Paris cette semaine avec le mouvement des guerrières de la paix qui a lancé un appel de Paris pour la paix au Proche-Orient. Je parlais à l'instant des traumatismes qui remontent chez les Libanaises et les Libanais. Ils remontent aussi fortement depuis le 7 octobre 2023 chez les Israéliens et chez un grand nombre de Juifs. Bonsoir Valérie Abekassis, bienvenue. Vous êtes journaliste, vous habitez à Tel Aviv ou les deux pays. Entre Tel Aviv et Paris. Dans les deux pays. Dans les deux pays. Vous êtes, votre dernier livre qui sort aujourd'hui s'appelle Place des otages. Il raconte ces mois qui ont suivi le 7 octobre. Vous qui êtes passé, vous le dites, du jour au lendemain, de journaliste culture à journaliste de guerre. Aujourd'hui, vous êtes, je crois, assez pessimiste, on va en parler. Vous dites en substance, malheureusement, il n'y a peut-être plus aucune place aujourd'hui pour la souffrance de l'autre dans cette région. Et puis, nous voulions aussi avoir avec nous ce soir un intellectuel qui essaie justement, on en a déjà parlé ensemble, de construire des ponts entre les uns et les autres dans la région. Bonsoir Nathan Devers. Bonsoir. Bienvenue, vous êtes romancier, philosophe, éditeur de la revue La Règle du Jeu, très attaché à cette région du monde. Ce que vous racontiez en début d'année dans votre dernier livre qui s'appelle Penser contre soi-même, où on apprenait que vous aviez longtemps voulu devenir rabbin avant de quitter la religion pour la philosophie. Vous êtes rendu à plusieurs reprises dans la région ces derniers mois. Et pour faire le lien entre les deux pays, entre Israël et le Liban, il se trouve que vous étiez à Beyrouth le 7 octobre quand vous avez appris les massacres perpétrés par le Hamas. Avec Sabil Goussoub. Pardon ? On était ensemble. Ah, vous étiez ensemble, je l'ignorais. Merci en tout cas à tous les cinq d'être là pour cette discussion, ce débat qui s'ouvre comme d'habitude avec le billet signé Pierre Michel. On peut dire les choses comme ça. Madame President, Excellencies, hell is breaking loose in Lebanon. Plus de 600 morts, plus de 5000 blessés en moins d'une semaine. Il ne doit pas, il ne peut pas y avoir de guerre au Liban. Et pourtant, la France et les États-Unis ont beau avoir appelé à l'ONU à un cessez-le-feu de 21 jours. La guerre n'est pas inéluctable. Une solution diplomatique est possible.
Ce cessez-le-feu, Israël l'a presque immédiatement rejeté. Prime Minister and the Chief of Staff could not have been clearer. The Prime Minister's directed the IDF to continue fighting with full force. Hier, alors que Benjamin Netanyahou décollait de Tel Aviv pour l'ONU à New York, l'armée israélienne publiait une vidéo de son chef évoquant une prochaine invasion terrestre. Même à Beyrouth, il règne une atmosphère de guerre. Moins d'une semaine donc, et déjà plus de 9000 déplacés. Certains fuient vers le nord du pays, d'autres se réfugient en Syrie. On est parti sans rien sur les routes libanaises, la grande fuite des déplacés. Et pour les autres, cette question, qu'est-ce qui va se passer ? C'est la crainte de l'avenir et la résurgence de traumatismes. Juillet 2006, à la suite de l'enlèvement de deux de ses soldats par le Hezbollah, Israël frappe le Liban. Le nombre de civils libanais tués ne cesse d'augmenter. Car Israël ne vise plus seulement les zones contrôlées par le mouvement chiite, comme le sud, ou encore ce quartier de Beyrouth. 33 jours de guerre, 165 morts et 500 000 déplacés côté israélien, 1200 morts et 1 million de déplacés côté libanais. Et presque 20 ans plus tard, la guerre qui revient. The situation in the whole region from the beginning of our country is always the same. Every couple of years there is a war and I don't think that it is the last war. C'est une guerre qui revient aussi pour les Israéliens, pour les soldats, les familles de soldats, pour les Israéliens qui vivent sous la menace des roquettes et des missiles du Hezbollah. C'est une guerre sans fin. Une guerre sans fin, on peut quand même essayer de mettre un point d'interrogation à cette question. On se retrouve donc ce soir après une nouvelle journée de guerre, en tout cas au Liban. Les bombardements se sont poursuivis. Il y a eu notamment la mort d'une Française de 87 ans annoncée aujourd'hui dans le sud du Liban. Les tirs de roquettes du Hezbollah se sont aussi poursuivis sur le nord d'Israël. Sabil Goussoub, je vous ai entendu parler ce matin à la radio. Vous parliez d'une forme de panique générale au Liban qui n'avait pas eu lieu depuis extrêmement longtemps. Oui, la semaine précédente et ce qui s'est passé depuis lundi, je crois qu'Yam le confirmera, c'est quelque chose qu'on n'a pas vécu depuis même la fin de la guerre civile. Les 500 morts en un jour, pour donner une idée, la guerre de juillet 2006 qui a opposé Israël et le Liban, il y a eu 1200 morts. En 32 ou 33 jours. Exactement. Mmh. Et là, en un jour, il y a eu plus de 500 morts. On est à 1200 là. Et maintenant, on est déjà à 1200. En une semaine. En l'espace de 3 jours. Ouais. Donc, on est effrayé, on est paniqué. Et quand je parlais de Vous parlez de 1200 morts là, depuis 3 Exactement, jours. Exactement, depuis le début. Ouais. Ce ne sont pas les chiffres qu'on avait ici. 1200 morts depuis le 7 octobre, tu veux dire? Non, vous dites depuis l'attaque des beepers, c'est ça hein? Oui. D'accord. Ah, depuis l'attaque des beepers, d'accord. Ok, non, je vous laisse poursuivre, pardon. Et je disais, oui, il y a eu un grand mouvement de panique et surtout de générations très différentes. J'ai deux exemples autour de moi. J'en ai un qui sont des oncles et des tantes qui ont vécu toute la guerre civile et qui, pour la première fois de leur vie, alors que je prenais un billet pour les rejoindre avant-hier à 18h, m'ont dit « tu ne viens pas ». Il en est hors de question. Oui, vous dites « c'est la première fois ». Vous dites « à chaque crise au Liban, je prends un billet, j'y vais, c'est un réflexe ». Et là, vous avez commencé à vouloir prendre le billet, vous avez dit non, j'arrête. J'ai même pris le billet, j'ai même commencé à faire ma valise. Et je parlais avec les amis, la famille, les gens du journal. Et on est en train de me dire non, ne viens pas, non, ne viens pas. Et c'est des gens généralement qui me disent si, viens, il n'y a aucun problème, viens, on saura comment faire. S'il y a une guerre, on sait où ça tire. S'il y a des explosions, on sait à peu près où aller ou pas au Liban. Et là, après l'attaque des beepers et ce qui s'est passé lundi, on avait bien compris que tout le monde allait être touché. Pas seulement les gens et les miliciens du Hezbollah, mais vraiment tous les Libanais allaient être touchés. Et juste après l'attaque des beepers, encore une fois, j'ai un autre exemple que je donnais ce matin et que je vais redonner. Ma petite cousine, qui est une étudiante aux Beaux-Arts de Beyrouth, qui est vraiment très loin des miliciens du Hezbollah. Qui a 20 ans. Qui a voilà, une vingtaine d'années, n'avait pas peur depuis le 7 octobre au Liban. Elle était, voilà, elle naviguait dans sa ville assez tranquillement. Et c'est vrai qu'après l'attaque de beeper, qui a été une attaque de terreur envers tous les Libanais, elle a commencé à prendre peur. Elle m'a dit, en fait, là, je viens de comprendre qu'on peut tous mourir. Yami Yared. Mais en fait, c'est très intéressant le témoignage de Sabil. En fait, ça dénote justement du problème
que nous avons au Liban. Nous avons un pouvoir centralisé sur Beyrouth qui a un peu abandonné le reste du Liban, le nord, le sud. Et c'est ce qui explique justement l'implantation du Hezbollah. La nature a horreur du vide. Le Hezbollah a repris cette région, a construit des infrastructures. Il a une légitimité auprès de ses citoyens. Il leur propose un... Voilà. Donc, et en fait, le problème, c'est que chaque fois qu'on ne se rend pas compte, en fait, quand le sud souffre à Beyrouth, tant qu'on n'est pas atteint, on ne souffre pas. On a, parce qu'on a... Alors, c'est aussi un symptôme de... On est tous des PTSD, post-traumatic syndrome. Et donc, on est dans le déni de ce qui arrive pas très loin de nous, à nos proches, qui sont quand même, c'est des Libanais, qui sont dans le sud. Nous, tant qu'à Beyrouth, on n'est pas nous-mêmes touchés dans notre confort. Mmh. On ne se sent pas vraiment concernés. Et ça, c'est très grave. Et en fait, une fois qu'on se sent... Mais c'est pareil pour moi, ce qu'a vécu la cousine de la nièce, la cousine de Sabine, c'est un peu pareil pour nous. On continue de vivre, alors qu'à côté, on est en train, on tourne la mort. Mmh. Et tout à coup... Ça change. Tout à coup, le ton monte et Israël, apparemment, ne va rien lâcher. Et je trouve vraiment très grave la situation. Mmh. Et Benjamin Netanyahou qui n'a pas de limite dans ce... Je rappelle, voilà, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, qui a dit aujourd'hui que le cessez-le-feu était, en gros, n'était pas à son agenda. N'était pas, voilà. Donc à un moment donné... toute la force possible pour vaincre le Hezbollah. Voilà. Oui, mais alors à Beyrouth, si vous voulez, aujourd'hui, on craint de cette recrudescence et on se dit, mais quelle va être la limite? Est-ce que ça va être un deuxième 2006? Est-ce que ça va être Gaza? On ne sait pas. Et en fait, l'autre problème, l'autre trauma des Libanais, c'est de vivre dans l'incertitude d'un avenir sur un pays qui est quand même très fragilisé, qui n'a jamais eu vraiment l'occasion de se définir en tant que nation, puisqu'on est tellement occupé à survivre. Moi, j'ai l'âge de la guerre. Je suis née en 75. Donc, quasiment le... Oui. Voilà. Donc, toute ma psychologie à moi, en tant qu'individu, fonctionne sur ma survie. Je pense qu'on ne peut pas penser... Vivre et survivre, c'est très compliqué. Se penser en tant que pays autonome, souverain, et survivre. Donc comment, à quel moment ce peuple, finalement, va-t-il se reposer de survivre pour enfin vivre? Et vous dites, j'ai l'âge de la guerre. Vous avez des petites filles, des filles aujourd'hui. Oui. Elles ont quel âge, d'ailleurs? Alors j'ai des filles maintenant de 10 et 8 ans, mais j'en ai trois autres qui ont 28 ans, 26, qui sont aujourd'hui partout en Europe. Et vous disiez, je crois, je sais ce que c'est que la guerre, vous venez de le dire, et je ne veux pas que mes filles apprennent à vivre avec le bruit des obus. Est-ce que c'est une question que vous vous posez aujourd'hui? Alors j'ai les deux attitudes à me dire, j'ai un peu moi la banalité de mes propres traumas, c'est-à-dire que je me dis, bon, si elles entendent quelques explosions, tant qu'on est en sécurité, c'est pas si grave, elles apprendront à dépasser la peur et ça fera d'elles des femmes plus fortes dans la vie. Et d'un autre côté, je crains aussi pour leur sécurité. Alors, on sait comment, comme il disait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a appris à vivre en zone de risque, on a appris à échapper à, on sait où se réfugier. Mais voilà, alors oui, je suis tiraillée entre finalement un choix de vie, de venir installer mes filles ici parce que je suis aussi franco-libanaise, ou de me dire non, on reste sur place. C'est une forme de résistance aussi, de foi dans un pays où on apprend à fabriquer du sens dans le désastre, mais même si c'est malsain en définitive, au niveau d'une collectivité, c'est invivable. Voilà. Et sachant qu'il y a des... Si nous, à Beyrouth, on est préservés, ceci ne veut pas dire qu'il n'y a pas des vraies vies fracassées. Partout, le Liban est aujourd'hui dans une situation très, très critique. Et vous voyez, 1000 en une semaine, c'est quand même... Il y a un symbole aussi de ça. Oui, c'est les images qu'on a vues rapidement dans le billet de Pierre Michel qui sont très frappantes. Ce sont ces dizaines de milliers de personnes qui sont en train de fuir le Liban pour la Syrie. Ouais. Alors, 31 000 personnes selon le gouvernement libanais ce soir. Ces images, en fait, elles sont un peu hallucinantes. On se dit que maintenant, la Syrie apparaît comme un pays plus sûr que le Liban pour des Libanais, mais aussi pour des réfugiés syriens qui avaient fui leur pays en guerre et qui désormais sont contraints d'y retourner, sans forcément savoir d'ailleurs ce qui va leur arriver. Enfin, ça dit beaucoup de la panique générale au Liban en ce moment. À l'exode des Libanais vers Beyrouth, vers le nord, vers la Syrie, oui, ça raconte quelque chose du pays. Ce que je voudrais rajouter aussi avec Riyam, c'est que moi j'ai l'impression que cette nouvelle guerre que cette nouvelle génération va vivre, tes enfants... ma petite cousine, ces enfants-là, j'ai l'impression que c'est aussi
un échec de notre part. On a raté quelque chose. Nous, au Liban, on a raté quelque chose entre nous. À un moment, on fait face à Netanyahou, on fait face au Hezbollah, on fait face au Hamas, d'accord. Ils ont leur politique et puis il y a nous qui avons d'autres idées, d'autres envies de politique et qui avons échoué quelque part. Et je pense que c'est là qu'il faut qu'on essaie de renouer... Le fil. Ouais. C'est intéressant cette phrase de Savile Gousse. Vous disiez oui de la tête, Valérie Abécassis. Non, alors je voulais dire plusieurs choses. La première, vous dites on a raté quelque chose. On a essayé. Vous êtes venu dans mon émission. J'ai interviewé Amine Maalouf. Amine Maalouf a fait une apparition, j'avais une émission à l'époque. Amine Maalouf qui est un grand écrivain libanais. Très grand écrivain libanais, franco-libanais, il avait écrit un bouquin formidable. Il est venu, j'ai un ami dans la mode, c'est Rabbi Kairouz. Il n'a jamais pu venir dans mon émission parce qu'il ne pouvait pas. Il m'a dit j'aimerais bien, mais je ne peux pas. Wadji Mouawad est venu, la pièce de Wadji Mouawad est venue en Israël. Donc, dramaturge du théâtre de la colline, je précise, voilà, à Paris. Il y a des choses qui sont faites. On a essayé, quand Amine Maalouf a accordé un peu de temps à cette émission, il a fait l'objet, mais ça fait le buzz mondial. Le BDS a appelé, mais comment, etc. Donc, le BDS, oui, c'est le boycott, le mouvement d'Israël. Donc, effectivement, moi, quand vous parlez, je suis meurtrie, parce que je sais ce que vous racontez sur l'exode, sur l'exil. C'est terrible, c'est ce que vivent aussi toute la population du nord d'Israël qui, depuis le 7 octobre, a dû quitter. 80 000 personnes qui ont fui le nord d'Israël. Qui ont fui le nord. Donc, on a essayé, peut-être que là où vous pourriez essayer, c'est de dire, vous, Libanais, on ne veut pas du Hezbollah. On ne veut pas du Hezbollah, c'est tout. Parce qu'Israël n'a rien contre les Libanais. Je vais vous montrer un truc sur mon téléphone, je ne sais pas si... Je ne sais pas si on va réussir à le voir, c'est bon, pas... Bon, écoutez, en tout cas, je veux juste vous montrer la quantité de... Voilà, c'est ça, je ne sais pas, c'est la quantité de roquettes. Qui, vous voyez, je ne sais pas où est la caméra. Voilà, tout ça, c'est ce qui tombe. Là, juste. Chaque message, c'est une roquette, c'est ça? Chaque message, c'est une roquette. Voilà. Ça, c'est une alerte, c'est ça? Une alerte à la roquette, c'est-à-dire. D'accord, non, mais. Israël, je voilà. Je ne suis pas habitué. Ça veut dire que. Je termine. Allez, ça veut dire que ce nord d'Israël est attaqué en permanence par le Hezbollah. Je ne dis pas par les Libanais, on a tous des amis israéliens, j'ai des amis libanais, des musulmans, beaucoup de chrétiens pour la plupart, qui ont. Donc, il y a en permanence. Donc, vous parlez de Netanyahou. Netanyahou, il a dit non aujourd'hui, mais parce qu'il est poussé par son peuple. Le nord d'Israël lui reproche de n'avoir rien fait pendant des années, parce que là, c'est la guerre. Okay. Mais tous les jours, il y a des roquettes qui tombent en haut. Tous les jours, il y a des roquettes qui tombent en bas. Vous allez pouvoir répondre. Je sais ce que vous allez dire. Je ne sais pas ce que vous allez dire on a le temps de se parler. Ce que je veux dire, c'est que Netanyahou, à un moment donné, poussé par son peuple, par ces gens qui sont déplacés. Moi, j'ai été dans des hôtels dans le sud du pays qui accueillaient tous les déplacés du nord. La dernière émission que j'ai faite le 6 octobre, c'était une émission qui s'est consacrée à Kiryat Shmona, que vous connaissez peut-être, qui est vraiment une ville qui est juste à la frontière avec le Liban. C'était une attaque en 1974. Il y avait des terroristes de l'OAP qui sont arrivés, qui voulaient tuer des gosses. L'école était fermée. Ils sont rentrés dans un immeuble. Ils ont tué 10 personnes. Et sur le plateau, j'avais la réalisatrice de ce documentaire. J'avais Iris, qui avait perdu sa mère et ses deux frères ce jour-là. Et on s'est dit, bon, c'est en 74. C'est fini, maintenant, on est protégés. Pas du tout. C'était la veille du 7 octobre. Donc, tous les gens de Kiryat Shmona, ils sont déplacés. Voilà, donc c'est pour protéger ces gens-là qu'il y a ça. Mais c'est terrible. Non, mais on poursuit la discussion. On a le temps et je vous donne la parole aussi. Mais comme vous étiez interpellés l'un et l'autre sur vous... Alerte à la roquette. Nous, on n'a pas le temps d'avoir des alertes à la bombe. Ça tombe trop. Mais c'est pas de la faute d'Israël. C'est quand même Israël qui envoie les bombes au Liban. D'accord. Mais je vous dis, quand il y a une roquette qui tombe du Liban ou qui arrive de Gaza, Israël a mis en place, parce qu'Israël se défend, n'attaque pas. Il y a des abris. Alors, quand on est dans le sud ou dans le nord, on a 30 secondes. À Tel Aviv, parce que moi, je suis bobo de Tel Aviv, comme vous habitez Beyrouth, moi, j'habite à Tel Aviv, on a 1 minute 30. Donc, on a le temps de descendre, se mettre aux abris. Mais c'est terrible ce que vous dites. Vous avez raison. C'est horrible. C'est des morts, c'est des tragédies, c'est des exils. C'est affreux. Allez-y. Et nous, je crois qu'Israël a quand même une défense qui fonctionne beaucoup mieux que le Liban, ce n'est pas comparable. C'est vrai. Il y a un dôme de sécurité incroyable. C'est vrai. Sachant que toute la flotte occidentale est dans la mer et porte aide à
à intercepter tous les missiles en direction d'Israël. Ce n'est pas le cas des Libanais, ce n'est pas le cas du Liban. Ce n'est pas votre problème, en effet, c'est notre problème. C'est mon problème, parce que c'est un problème humain. Je suis pas. Voilà, c'est un problème humain. Il faut que les Libanais. Mais je voudrais juste rebondir aussi, je m'excuse, mais je rebondis sur ce qu'a dit. Je ne pense pas qu'on a échoué, si je me permets. On n'a pas échoué. On a. Les Libanais, à l'interne, nous sommes aussi traumatisés par une guerre civile, par nos propres dissensions. Je pense qu'Israël aussi, les dissensions existent dans tous les pays. Nous avons nos propres dissensions, nous sommes une pluralité de traumas, une pluralité de communautés. On était 18, 17, on est peut-être 16 aujourd'hui. Enfin, toutes communautés différentes au Liban. On avait une grande communauté juive qui ont toujours vécu dans une grande. Ils ont vécu très très bien au Liban. Il faut rappeler que les Juifs au Moyen-Orient ont toujours très très bien vécu. Ils ont toujours été accueillis, jamais persécutés. Il faudrait bien le rappeler. Il faut le rappeler. Non, il faut le rappeler. Au Liban. Maintenant, juste revenir à la question de la pluralité libanaise. Nous sommes une pluralité de traumas. Dans cette pluralité de traumas, certes, il y a des régions qui ont. C'est-à-dire le Hezbollah. Et le sud du Liban, est-ce qu'on a échoué on a échoué dans notre communication avec le Salib disait, on a raté quelque chose. On a raté, oui, mais il y a un espoir dans ce ratage, c'est qu'avec l'histoire des beepers, où tous ces combattants du Hezbollah qui se sont fait exploser, qui ne sont pas aimés à l'unanimité par tous les Libanais, ont été accueillis, aidés, solidarité. Parmi toutes les communautés, dans tous les hôpitaux, il n'y avait pas de différence. Et l'espoir, c'est quoi ? C'est que l'unité libanaise tient ? Oui, vous savez, on a tout ce qu'il faut pour sombrer dans une guerre civile aujourd'hui. Et nous sommes là à ne pas sombrer dans la guerre civile. Et moi, je pense que l'espoir libanais, il est là. Voilà. Ouais. C'est-à-dire dans ce dialogue encore possible de la non-guerre civile. Jonathan Effetz, comment est-ce que vous vivez ce début de discussion passionnant, je trouve. Déjà, je m'excuse parce que je suis franco-israélien et si je fais d'erreur de français, soyez gentil avec moi. Voilà, on est très compréhensifs. Mais je te comprends complètement parce que je pense qu'en Israël aussi, on a ce sentiment que c'est seulement au moment qu'ils ont attaqué Tel Aviv que tout d'un coup, il faut maintenant attaquer aussi le Liban. Ça fait presque un an que les citoyens du nord d'Israël sont en fait réfugiés dans leur même pays au sud et on n'a rien fait. Il y avait 8000 missiles qui le Hezbollah a lancé et on n'a rien fait. Moi, je ne pense pas que c'est le peuple d'Israël. Je pense que c'est plutôt les partenaires de la coalition de Netanyahou en fait, qui le poussent pour la guerre au Liban. Qui empêche en fait aussi de faire rentrer les otages chez nous à la maison. Et je pense que c'est ça en fait. Le temps que la bulle en fait du centre du pays n'explose pas, alors il n'y a pas vraiment un effort de l'État de résoudre le problème. Et c'était la même histoire avec Gaza. Les citoyens de Gaza, ça fait des années qu'ils disent on a besoin de se protéger. Le mur, c'est pas assez, il y a des tunnels. Les Israéliens qui vivent dans les kibbutz à côté de la bordure de Gaza. Gaza. Des années qu'ils disent ça et des années qu'ils ne reçoivent pas la défense qu'ils ont besoin ou le soutien qu'ils ont besoin. Des années. On a un Premier ministre que ça fait 20 ans en fait, qu'il est en pouvoir, pour le bien ou pour le mal, ça dépend qui vous demandez, vous posez la question en Israël. Mais je veux seulement aborder un sujet que c'est en fait le trauma. Tu as parlé sur tes filles. Et je pense que le problème aujourd'hui au Moyen-Orient aussi, c'est la trauma générationnelle, en fait. Ouais, de génération après génération. Ma mère a vécu la trauma de la guerre de Kippour de 73. Moi, j'ai vécu la deuxième intifada en tant qu'adolescent à Jérusalem, je peux donc, vous dire. Avec des attentats. Voilà, deux ans, je n'ai pas été sur un bus parce qu'on avait peur. Et maintenant, et je sais que moi, en fait, une des choses qui me pousse toujours à agir, c'est parce que je ne veux pas que mes nièces, je ne veux pas que mes futurs enfants ont aussi ce traumatisme. Dans la même manière que je ne veux pas les enfants de Liban ou les enfants de Palestiniens d'avoir ces traumatismes aussi. Et à un moment donné, moi, je ne pense pas qu'on a raté quelque chose, en fait. Parce que je pense que le temps qu'il y a des gens comme nous ou autres qui continuent à lutter pour un meilleur avenir, que les systèmes en fait, et les gouvernements autour de nous n'ont pas arrivé à nous détruire et casser en fait, notre espoir, il y a toujours où avancer. Et c'est certes que je pense que… Tu espères. Moi, j'adore le Liban, on a parlé sur Mashwa Leila, mais j'ai grandi aussi sur Fayrouz et sur autres.
Grande chanteuse libanaise, pour ceux qui seraient pas très côté. Très grande chanteuse libanaise, c'est genre peut-être avec Oum Kulthoum, c'est la diva du Moyen-Orient. Ouais. Et en fait, même au niveau culturel, il y a beaucoup des alliances entre les Juifs et les Arabes. Et on ne peut pas donner au gouvernement chaque fois la parole et nous gérer en fait et faire un jeu avec nous comme des pions. Quoi. Nathan Dever, comment est-ce que vous entendez cette discussion et j'allais dire ces traumatismes qui se rencontrent en réalité? Oui, c'est peut-être l'un des points communs de toutes les sociétés, où qu'elles soient dans la région, c'est que ce sont des sociétés toutes traumatisées différemment, traumatisés à plus ou moins long terme, qui vivent avec des traumatismes qui ont pu être vécus directement ou qui renvoient aussi à des mémoires. Et je pense que toute la question est là. Que faire de ces traumatismes? Est-ce que la blessure, la béance que va laisser une souffrance dans une société, dans un peuple, doit pousser à une sorte d'engrenage de la violence, de la vengeance, de la riposte? Ou est-ce qu'au contraire, ça doit donner lieu à quelque chose d'autre? Moi, j'ai été frappé par votre phrase de se dire « on a tous collectivement raté quelque chose ». Et je pense que ce regard-là, il peut être intéressant. Un des problèmes de la guerre, c'est quand elle se met à atteindre même les intellectuels et que les intellectuels se mettent à devenir les porte-voix d'une certaine forme de nationalisme. Giraudoux l'a très très bien décrit dans la guerre de Troie. – Et qu'ils n'arrivent plus, pour reprendre votre titre, à penser contre eux-mêmes. – Exactement. Et ce que je veux dire par là, c'est que je pense qu'en deçà de ce qu'on appelle le conflit israélo-palestinien, en deçà de ce qu'on appelait jadis le conflit israélo-arabe ou aujourd'hui la guerre Israël-Liban. Il y a un risque à parler comme ça, c'est de croire que les sociétés sont essentialisables, qu'il y aurait une société israélienne, qu'il y aurait une société palestinienne et qu'à partir de là, on pourrait, si vous voulez, les penser comme des choses monolithiques. Or, ce sont des sociétés qui sont traversées par des champs de force, par des oppositions très très fortes, notamment concernant la perspective du conflit, si bien qu'on pourrait dire en un sens qu'il y a par exemple, en deçà du conflit israélo-palestinien, un conflit israélo-israélien qui existait bien avant le 7 octobre, qui n'est pas un conflit militaire, qui n'est pas une guerre civile, mais qui est une guerre politique très forte, qui était particulièrement intense à la veille du 7 octobre, et que là-dessus, c'est intéressant quand chacun, surtout quand on n'a pas un regard neutre sur la chose, qu'on est affecté soit parce qu'on habite dans un pays ou dans l'autre, soit parce que sa sensibilité est dans un camp ou dans l'autre, qu'on puisse aussi avoir ce regard-là sur ce propre camp. Et moi, vous racontiez cet épisode, c'est qu'en effet, moi j'étais le 7 octobre à Beyrouth, avec Sabil Goussoub. J'ai découvert d'ailleurs Beyrouth, vous le savez, par votre livre avant d'y aller, Beyrouth sur Seine. Et c'était terrible à vivre comme journée. Et c'était incroyable. Il y avait énormément de Libanais donc, qui passaient la journée avec moi, qui m'ont parlé la langue universelle de la souffrance, la langue universelle du traumatisme, qui avaient vécu dans leur jeunesse la guerre civile, la guerre de 2006, etc., et qui me demandaient comment allaient mes proches, qui me voyaient que j'étais dans un état second et qui partageaient cette souffrance-là. J'ai vu aussi le soir, en me promenant à Beyrouth, une parade de militants du Hezbollah qui célébraient l'événement du 7 octobre. J'ai vu les deux. Et je pense que dans chaque société, surtout dans cette région, surtout aujourd'hui, on peut voir les deux partout et que la responsabilité des intellectuels, c'est précisément d'essayer de pousser vers le camp qui permettra demain de prononcer le mot paix sans avoir l'impression d'être quelqu'un qui délire. Un illuminé, et vous aviez une phrase sur le 7 octobre, vous disiez j'étais à Beyrouth, je pensais à Tel Aviv, et on était sous le même ciel mais de l'autre côté de la frontière. Exactement, oui. Sabil Goussoub, cette rencontre des traumatismes, est-ce qu'elle peut, disait Nathan Dever, finalement aboutir à quelque chose de fécond? Ou est-ce que c'est juste totalement naïf et là illuminé pour le coup de dire ça? Ou est-ce que quand on est en plein dans la guerre, on ne peut pas parler de ça? On peut essayer d'en parler quand on est loin, on peut essayer d'en parler quand on a deux passeports et qu'on vit à Paris ou qu'on vit ailleurs dans une autre ville. Je pense que quand on est cloîtré au Liban et qu'on vit sous les bombes, qu'on est cloîtré en Palestine ou en Israël et qu'on n'a pas d'autre choix que de rester là et de vivre les guerres, je crois que c'est très difficile d'avoir du recul, de se dire qu'on va tendre la main, de garder du lien. Je me pose toujours la question de la diaspora, quelle est la responsabilité d'un membre d'une diaspora et surtout en temps de guerre et qu'est-ce qu'on doit faire. Je sais que depuis le 7 octobre, j'ai essayé de garder plus le silence, je ne voulais pas parler. Pourquoi vous ne vouliez pas parler d'ailleurs? Vous ne sentiez pas légitime? Il y a une question de légitimité, il y avait une question de je ne savais plus quoi dire, quoi faire devant l'horreur des événements. J'ai juste écrit une courte tribune dans L'Orient le Jour, justement au Liban, mais en venant après à Paris, je ne voyais pas ce que je devais dire. J'avais l'impression que j'allais surfer sur la vague et venir des mots qui ne signifiaient rien. Il faut trouver sa place et savoir quoi dire et à quel moment on commence à le dire et pourquoi. Et je crois que, en tout cas sur les membres de la diaspora, voilà, oui, on doit garder du lien, on doit réfléchir à ces traumas, mais il faut aussi qu'on se dise des choses. Tout à l'heure,
l'heure, vous parliez du Hezbollah. Je crois qu'Yam et moi, on sait de quoi on parle. Le Hezbollah, moi, a probablement tué le frère de mon éditrice libanaise. Le journal pour lequel je travaille combat tous les jours contre le Hezbollah et les journalistes qui sont là-bas et qui travaillent à Beyrouth prennent des risques énormes. On est descendu dans la rue à Beyrouth en 2019. On sait ce que c'est le Hezbollah. On le combat au quotidien, sauf qu'on ne peut pas les combattre seuls. Mais ce qui est certain, c'est que la solution de venir bombarder le Liban pour supprimer le Hezbollah, les attaques de Beeper ne va pas régler la solution. Israël a envahi le Liban en 82 et reparti en 2000. Israël a dit en 2006 que le Hezbollah était très affaibli, qu'ils allaient en finir. Ils sont finalement repartis du Liban et le Hezbollah n'a pas disparu. Le Hezbollah est encore là. Et cette nouvelle guerre-là ne va rien faire d'autre que détruire le Liban à nouveau, peut-être nous diviser, nous, entre Libanais. Et ça ne va pas servir les intérêts des civils israéliens, parce que je pense aussi toute vie civile perdue est déplorable. Une vie civile israélienne, palestinienne ou libanaise, la vie des civils israéliens dans le Nord, pour moi, compte autant que celle des Libanais que des Palestiniens. Et je parle aussi des enfants, des femmes, de tout le monde. Et pour qu'on trouve une solution, il y a un moment, il faut aussi voir les choses en face. C'est-à-dire que la politique israélienne de guerre, de mur, de checkpoint, a mené au 7 octobre, malheureusement. C'est-à-dire que vous avez vécu, le 7 octobre, la pire attaque de votre histoire. Donc, il y a un moment où la politique israélienne ne fonctionne pas. Et je ne dis pas ça contre les Israéliens, je dis ça pour nous tous, pour, à un moment, il va falloir qu'on vive ensemble. Et voilà. Oui. Je voulais vous faire réagir là-dessus, mais je ne voulais pas vous interrompre. Il y a plusieurs choses. La première, voilà, l'État juif, pour tout le monde, a été créé en 48, le 14 mai 48, deux jours après, la plupart des pays arabes attaqués parce qu'ils ne voulaient pas. Ils rejetaient le plan de partage proposé par l'ONU en 1947. Dans les frontières de 47, on ne va pas parler de Jordanie, de l'Ukraine. Ils rejetaient le plan de partage proposé par l'ONU. Donc, deux jours après, c'est-à-dire les gens qui venaient d'arriver en Israël, donc dans ce nouvel État jeune, qui sortaient des camps, qui étaient réfugiés, enfin, tous les. Toc, ils ont recommencé une guerre. Ça, c'était deux jours après l'établissement de l'État hébreu. On parle de ces juifs issus du monde arabe. À partir de l'établissement de l'État d'Israël, il y a à peu près, on va dire, 1 million de juifs issus des terres arabes qui, contraints ou de plein gré, ont quitté tous les pays arabes alentours pour venir s'installer soit en Israël, soit ailleurs. Il n'y a plus de juifs dans le monde arabe. Il n'y a plus. Moi, mes amis juifs libanais, ils sont partis. Alors, la Syrie, n'en parlons pas. L'Iran, j'ai interviewé des réalisateurs qui, dans les années 40, 50, les parents allaient skier en Iran. On pouvait aller au Liban avec un train. Il y avait cette espèce de porosité. J'ai rencontré des Israéliens dont les parents aller à Gaza pour se fournir en légumes. Enfin, tout ça, c'est fini. Vous dire qu'il n'y a plus aucune... Tout ça, c'est fini. Alors, vous parlez du checkpoint... Communication. Voilà. J'aime pas faire ça, mais je vais le faire. Ma cousine est morte dans un attentat au Mike's Place à Tel Aviv. Elle était serveuse, elle aurait pu travailler à Londres, en Belgique. Elle voulait aller à Tel Aviv, parce que c'est sympa. Elle était même pas religieuse, même pas... Rien. Voilà. Elle est morte. OK. Donc, le mur... Ce fameux mur, qui était un mur de la honte, si vous voulez, il a été là pour déjà limiter. Mais vous avez raison. Mais quand Sabine vous dit, le 7 octobre est la résultante en fait, de cette politique de la force israélienne. Non, je vais vous dire, le 7 octobre, ici, bon, en anglais, c'est they don't like us. C'est quand je dis they, c'est quoi pas les Arabes, c'est les islamistes. Ils ne veulent pas de cet État. Donc voilà, alors moi je ne défends pas Bibi du tout, vraiment, c'est pas loin de moi. Et c'est même presque confortable d'avoir ce type à détester parce que ça permet de faire passer l'horreur de ce qu'on vit. Quoi ? Je préfère beaucoup sans Netanyahou. D'accord, mais tu sais, on se tutoie parce que tu es israélien. Il y a les gens qui ont voté pour Bennett et Lapid. Bennett, c'est un religieux avec sa petite kippa, il habite dans les colonies. Lapid, c'est un laïc. Il habite à Ranana, il a fait sa bar mitzvah dans une synagogue libérale. Oui, d'accord, mais il était quand même dans les territoires. Les gens ont voté pour eux. Tu vois. Qu'est-ce qui s'est passé? Rien. Pendant ce temps, le Hamas, il travaillait les tunnels. Ce que je veux dire, c'est que le bilan, le constat, il a raison, c'est terrible. C'est que non, mais Sabine, on va bien devoir un jour vivre ensemble. Voilà ce qu'il vous dit. Ah bah oui, parce que les accords d'Abraham, aucun pays qui a signé les accords d'Abraham ne l'a dénoncé. Donc je me dis... Les accords entre Israël et les pays arabes. En fait, moi, ma petite fille... Mais dans lesquels la résolution du conflit israélo-palestinien n'est pas du tout mentionnée. Ma petite fille qui vit là-bas, peut-être que ses enfants vont avoir des liens avec d'autres gens, jeunes des pays arabes, et il va se passer quelque chose, et on ne va pas être boycotté si on s'invite les uns les autres. Ça va être... Mais justement, c'est intéressant, vous décriviez tout à l'heure, du coup, des années 40, 50,
où il y avait une sorte de porosité, des rencontres finalement entre les différentes populations, une circulation. Circulation, et pas, on pas est... amour, circulation. Donc, ben, j'ai pas dit amour, mais je veux dire, en tout cas des rencontres à travers la circulation. Et on est passé aujourd'hui à un monde où il y a des murs. Et en préparant l'émission, vous nous avez dit aujourd'hui, aucun Gazaoui n'a jamais parlé à un juif et inversement. Jonathan Effet, ça aussi, cette non-rencontre, ça participe à la déshumanisation de l'autre camp. J'ai un ami palestinien que la première fois qu'on s'est rencontrés, on a parlé sur les accords Oslo. Et en fait, on a dit que les accords Oslo, en fait, ils ont marché trop bien. Parce qu'ils ont vraiment séparé la population palestinienne et la population israélienne. Et je pense qu'une des choses que mon organisation fait aujourd'hui, c'est vraiment essayer, à travers les murs et à travers les frontières, de faire rencontrer les gens. Moi, je ne crois pas en murs. Parce que les murs, à la fin, ne marchent pas. Ni le mur à Jérusalem et ni le mur qu'il y avait dans la bande de Gaza. Mais les attentats ont été réduits. Excuse-moi, ton ami palestinien, il est palestinien d'où? Il est né palestinien de Bethléem, et je peux te dire qu'il a vécu, il a vécu pas mal. J'ai perdu aussi un ami palestinien au Gaza par un missile israélien, et je porte sur moi Karina, qui est toujours otage, qui est toujours otage à Gaza. Alors le trauma que j'ai vient de deux côtés. Qui sont encore dans les tunnels. Hein? Les filles, elle est avec les autres dans des tunnels depuis. Mais je dis seulement que ce truc de rencontre, évidemment que ça doit arriver, mais encore une fois, il y a une sorte de conception, même sécuritaire, et même si je n'aime pas trop parler sur ce genre de trucs, qui en fait aime séparer les différents peuples. Et ce n'est pas une question, on peut parler sur 48, on peut parler sur 67, mais je ne pense pas que c'est important. Parce qu'on peut apprendre du passé, mais on doit apprendre du passé, pas les choses qu'on ne doit pas faire. Moi, j'ai une des personnes qui était là dans l'appel pour la paix. L'appel de Paris pour la paix au Proche-Orient. C'est une personne remarquable, vraiment, qui s'appelle Maozinon, qui a perdu ses deux parents le 7 octobre. Et que deux semaines après, lui et son frère, ils lancent un document qui dit « on ne veut pas la revanche, en fait ». Et depuis, il passe partout dans le monde pour dire « il faut la paix, il faut la paix ». Et lui, le kibbutz où lui, il a habité dans le monde de Gaza, on leur a promis, il y a le mur le plus fort, le plus... avec des choses électriques, etc. Et finalement... Le 7 octobre, on a vu qu'est-ce qui s'est passé. Et même avec le mur de Jérusalem, comme quelqu'un qui habitait à Jérusalem, je peux te dire, on avait l'intifada des couteaux il y a quelques années. Dans la vieille ville de Jérusalem. Dans la vieille ville de Jérusalem. Jérusalem-Ouest. C'est pas, les murs, à la fin, ce n'est pas un truc qui va aider. Parce qu'à la fin, l'intifada... comme a dit Hiam, vivre ou survivre, j'aime toujours... dire sur Daniel Bellavoine qui dit « vivre ou survivre ». Et je pense, et je le dis même dans mon discours à la conférence, c'est qu'à un moment donné, moi, j'ai assez de survivre ensemble et il faut trouver le moyen de vivre ensemble. Yamira, on fait circuler un peu. Mais voilà, moi je rebondis vraiment sur ce que dit Jonathan. C'est la ressemblance de nos souffrances, en fait. Et ton témoignage de ces deux personnes qui tournent autour du monde, ils ont perdu leurs parents, et ça ne les empêche pas de comprendre qu'en fait, la revanche ne va rien amener. Leur souffrance ne change en rien avec la souffrance de n'importe quel Palestinien. Et puis, pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure, je veux dire, aujourd'hui, ce que les Palestiniens subissent, aussi, c'est quelque chose qui est aujourd'hui la vie à Gaza. On ne peut pas passer. Horrible. Voilà. Vous avez raison. Donc, il faut rappeler combien c'est horrible. Ce malheureux peuple. Donc, moi, je pense qu'il faut. La mémoire ne doit pas être manipulée par ceux qui veulent aujourd'hui, parce qu'on est d'extrême droite, comme vous l'appelez, Bibi, oui. Donc. Bibi, aujourd'hui, c'est quand même un régime fasciste d'extrême droite, d'extrême droite, on va dire. Il a une coalition. D'accord. D'extrême droite. Non. Parce qu'il a une coalition avec des partis d'extrême droite. D'accord. Oui. D'extrême droite, oui. Qui n'est pas validée par tous les Israéliens, non plus, qui aujourd'hui, face à la menace, Israël a cette question de survie, en fait. C'est ça la grande question, c'est est-ce qu'Israël peut survivre justement avec des murs ou sans murs? Moi je crois qu'Israël peut survivre avec des messages comme celui de Jonathan. Voilà, pour moi c'est très important de le rappeler, c'est pas les murs, c'est de mettre sur la table. Moi je viens d'un pays morcelé, le Liban est divisé de l'intérieur, nous sommes 18 communautés, nous avons du mal à communiquer entre eux. Si Israël a une peur de la disparition qui vient de la Shoah, de la mémoire de la Shoah, c'est une chose qui s'entend, on a tous des traumas.
Mais aucun trauma ne peut justifier d'en provoquer d'autres ailleurs. Moi, je vais vous dire, au Liban, chaque communauté, vous parliez des communautés chrétiennes, vous croyez que la communauté chrétienne n'a pas peur de disparaître, diluée démographiquement dans les autres communautés ? Oui, elle a cette peur. Alors qu'est-ce qui nous empêche aujourd'hui de venir faire de l'autre en face notre adversaire et de sombrer ? Nous avons sombré dans une guerre civile, nous avons appris de cette guerre civile, nous n'avons plus envie de sombrer dans une guerre civile. Ce qui manque au Liban aujourd'hui, c'est une mémoire consensuelle, c'est de venir, c'est ça le problème aujourd'hui, c'est pour ça que nous sommes en statu quo. Vous diriez que c'est ce qui manque au Liban et dans l'ensemble de la région. Et dans l'ensemble de la région. C'est-à-dire de venir, et c'est ce que Jonathan est en train de faire, c'est d'amener toutes les mémoires sur une table. On peut débattre, on peut faire des erreurs dans notre pensée, on y a droit, parce qu'on est aveuglé par notre souffrance. Ça fait partie du processus de tolérance. C'est d'être peut-être intolérant à un moment donné à force d'avoir souffert. Mais ceci n'empêche qu'on peut avancer vers l'autre, en mettant tout sur la table, en disant « ici, vous ne serez pas jugé, discutons ». Mais déjà, il faut respecter son ennemi. Or, je ne pense pas qu'aujourd'hui, on respecte les Gazaouis. Je vous laisse répondre. Je ne pense pas qu'on respecte les Gazaouis. Allez-y, puis on fait ni même les Libanais. Je réponds sur ce jeune Israélien qui a perdu ses deux parents. Moi, j'ai rencontré Noa Lévy, elle a 74 ans. Elle habitait dans le kibbutz au sud, tout au sud. Elle était à Be'eri. Son mari a fondé Be'eri, entre autres. Et elle m'a montré une vidéo. C'était son mari qui, pendant, alors je ne sais plus quelle attaque, en 2022-23, il y en a eu tout le temps, disait qu'il avait monté une association pour aider les Gazaouis à recevoir de l'argent de la communauté du kibbutz parce qu'ils ne pouvaient plus travailler en Israël, parce que le Hamas les empêchait de venir travailler en Israël. Donc qu'est-ce qu'il a fait ? Il a monté une association, il leur a donné de l'argent parce que ces travailleurs ne pouvaient plus venir puisque Israël, comme vous le savez, a quitté Gaza en 2005. C'est pas complètement vrai en même temps. Oui, ils ont peut-être mal quitté, mais ils l'ont quitté. Non, c'est pas qu'ils sont mal quittés, c'est qu'Israël toujours a contrôlé l'électricité, l'eau, les frontières, les papiers de travail, la mer... Je précise en une phrase, les colons ont quitté Gaza, c'était Ariel Sharon à l'époque, mais Israël a continué à contrôler une partie de l'industrie et de l'économie gazaoui, ce que vous disiez. Bref, ça sera une autre émission. Parce que là, on va rentrer dans des chiffres. Ce que Noa Lévy, on a, c'était après le 7 octobre, et son mari, il a été tué le 7 octobre. 80 ans, ils l'ont tué. Tu comprends donc, Viviane voilà. Silver, donc, alors, Viviane non, mais c'est Silver aussi. Bien sûr. C'était une des plus grandes dames qui a advoqué la paix. Ce que je veux te dire, c'est que faire la paix, c'est merveilleux. Évidemment, on veut tous. Tu crois qu'on est ennemis ? Tu crois que je suis ennemie ? Pas du tout. Mais pas du tout. Mais à un moment donné, il faut voir les choses. Donc pour faire la paix, il faut s'entendre et il faut voir quels sont les objectifs, quelles sont les légitimités. C'est vrai qu'on ne veut pas comparer les douleurs, c'est vrai que c'est horrible tous ces morts. J'ai vu depuis le 7 octobre mais tellement de larmes. J'ai vu des gens crier aux portes de Gaza, appeler leurs enfants avec des haut-parleurs en se disant que peut-être mon fils qui est dans un souterrain, il va m'entendre. Vous parlez des familles d'otages. Des otages, donc bien sûr qu'on veut, évidemment qu'on veut la paix. Mais là maintenant, il faut voir les choses et se dire que l'objectif, doit se défendre. Tendre la main. Il y a un début. Tendre la main. Il y a un début, il faut tendre la main. Bah, sinon, culture, on tend la main tout le temps. Bah, on ne peut pas avoir la bombe atomique, écraser un peuple et parler de paix. Il a été tué aussi. Donc, ils tendent la main, les Israéliens, ils tendent. Je ne veux pas vous demander de dire qui tend la main et qui ne tend pas la main. Bien sûr. Il y a énormément de sujets qui sont abordés. Moi, en vous écoutant, je me pose une question. C'est pourquoi le mot paix, s'agissant de ce conflit, il y a eu une époque que je n'ai pas connue. Mais où on pouvait en parler sérieusement autour d'un plateau de télévision sans avoir l'air, si vous voulez, délirant. Et pourquoi aujourd'hui dire ça, ça sonne faux, parce que ça coïncide absolument pas avec la réalité de ce qui se passe. Je pense que si on pose cette question, en sachant que chacun d'entre nous est dans un camp différent, au sens où il connaît un pays mieux que l'autre, il a davantage d'attaches personnelles dans un pays plutôt que dans l'autre. Sans renvoyer dos à dos les gens, il ne s'agit pas de faire ça. Mais il s'agit de remarquer que depuis 20 ans, 25 ans, 30 ans, il y a dans chaque situation, dans chaque camp, dans chaque pays, dans chaque société, il y a eu des forces qui ont travaillé à détruire la perspective de paix et qui ont plutôt d'ailleurs bien réussi. Hein. Il y a eu, vous parliez tout à l'heure du Hezbollah, de tous les proxys iraniens, du fait que le Hezbollah, par exemple, le 7 octobre, le 8 octobre, ils ont décidé d'attaquer Israël, voilà, de chasser 60 000 personnes, de harceler de missiles, de roquettes les sociétés israéliennes. Et on pourrait aussi remarquer que depuis le début du XXe siècle, eh bien, tous les gens qui, en Israël, étaient les adversaires les plus acharnés de la paix,
pour certains, étaient même considérés comme des gens qui étaient dans l'illégalité la plus totale. Je pense à M. Smotrich, je pense à M. Benvir, qui sont des ministres considérés de Netanyahu aujourd'hui. Bien sûr, M. Smotrich, qui était à l'époque surveillé par les services secrets israéliens, parce qu'il était représenté une menace interne. M. Benvir, qui, ses premiers engagements politiques, c'était dans un parti qui a été interdit à l'époque par Israël, parce qu'il était considéré, enfin interdit par des lois antiterroristes, il était considéré comme terroriste. M. Benvir, qui avait dans son salon une photographie ou un tableau représentant un des terroristes atroces, Baruch Goldstein, qui a commis un massacre dans la ville de Hébron. Ce monsieur est ministre aujourd'hui. Et je pense que ça raconte un échec terrible. Moi, je parle plutôt du côté israélien, parce que c'est le côté que je connais le mieux. Mmh. Mais je pense que quand on aime un pays, et moi, je vous le dis franchement, Israël est un pays que j'aime avec ma sensibilité, que j'aime avec mon corps, que j'aime parce que j'y ai des proches, que j'aime parce que c'est aussi mon imaginaire, que j'aime sa langue, etc. Mais aimer un pays, c'est avoir un regard critique sur lui pour son bien. D'autant plus quand on a de la distance, quand on est lié dans une forme de diaspora, ou moi je ne suis même pas dans une diaspora parce que je n'y habite pas. Mais c'est ça précisément, le fait d'aimer un pays. Et précisément, dans la mémoire d'Israël, il y a quelque chose qui est la Bible. Et dans la Bible, il y a la parole prophétique. Et les prophètes dans la Bible, ce ne sont absolument pas des gens qui se comportent, si vous voulez, comme des gens qui font l'apologie du peuple ou qui poussent à la guerre, etc. Au contraire, ce sont des gens qui sermonnent, ce sont des gens qui aiment leur peuple, mais qui précisément par amour lui passent leur temps à dire « Regarde, regarde-toi dans le miroir, regarde ce que cette société ne fait pas ». Et je pense qu'à ce titre, il y a véritablement un rôle des intellectuels, des écrivains, des artistes, qu'ils soient israéliens, palestiniens, libanais, ou qu'ils soient français, ou qu'ils soient d'ailleurs, mais qu'ils aient un lien, chacun depuis sa perspective, chacun depuis sa sensibilité, chacun depuis son camp, à dire je pense contre moi, je pense contre les forces qui détruisent ce camp, et je pense contre les forces qui empêchent l'autre camp d'exister avec le mien. – Sabil Goussoub, ça veut dire quoi? Ça voudrait dire quoi en tant que Libanais, penser contre soi-même, comme le dit Nathan Dever? Et comment vous entendez ce qu'il vient de dire? Ben on fait que penser contre soi-même. Je parle aussi beaucoup des gens de ma génération. Moi, j'ai remis en question beaucoup de choses qu'on m'avait inculquées quand j'étais petit. J'ai effectué un voyage en Israël alors que c'est interdit au Liban. J'ai écrit un livre dessus. J'ai travaillé avec des Israéliens. Je me suis approché. J'ai voulu tendre la main. J'ai voulu écouter l'histoire des exodes des Juifs des pays arabes. J'ai essayé de la raconter pour les Juifs. Vous êtes venu dans mon émission. Les Juifs du Liban. J'ai essayé de comprendre, j'ai tendu la main, j'ai perdu des amis, je me suis fâché avec des gens de ma famille, voilà, c'est ça, penser contre soi-même, et je suis tout à fait d'accord, c'est notre rôle. Et pourquoi je me suis permis ça, mais je le dis, c'est quand même très important de le dire, c'est parce que j'ai aussi un passeport français. C'est parce que si j'ai la chance de pouvoir me réfugier sans problème avec le Liban parce que j'ai fait ça, je peux venir en France, je peux venir... et je peux me permettre de voyager en Israël parce que j'ai un second passeport. Tout ça, c'est très important à dire. Quelqu'un qui est là-bas avec un seul passeport ne peut pas faire ce que j'ai fait. Donc, c'est aussi notre rôle à nous qui sommes ici, qui pouvons vivre en paix et pas sous les bombes, de pouvoir parfois prendre des risques insensés, parfois prendre des risques en faisant des erreurs. Je ne dis pas que j'ai eu raison de faire ça. Je ne dis pas que c'est ce qu'il faut faire. Je dis juste que moi, dans mon parcours, j'ai ressenti que c'était ça qu'il fallait briser à un moment parce que je voulais comprendre, je voulais entendre, je voulais rencontrer des gens comme toi. J'en ai rencontré et ça m'a fait du bien, j'ai l'impression d'être un peu moins con maintenant. Mais, donc c'est ça, il faut continuer dans ça. Maintenant, est-ce que ça veut dire, Sabil, que même cette discussion-là, c'est quelque part parfois prendre un risque? Mais évidemment qu'on a tous peur de venir dans ces émissions-là, évidemment qu'on a tous peur de savoir ce qu'on va dire maintenant. Je me suis tu pendant un an, je me suis exprimé à RTL, prenez mon portable, je me suis fait traiter de sale chrétien de merde, de terroriste, mais déjà à peu près 1700 fois. Depuis ce matin? Mais oui. Et là, je pense que ça va continuer avec ce que je viens de dire. Et est-ce que je vais pouvoir retourner au Liban après? Je ne sais pas. On a tous peur. Mais c'est ça, le grand déficit aujourd'hui, c'est la liberté d'expression aussi. C'est-à-dire qu'il y a une pression sur les intellectuels. On arrive et on est dans l'autocensure. On a peur de s'exprimer. Mais ça aussi, c'est un trauma, puisqu'on est en train de parler de trauma. Parlons-en. La peur du dialogue. Si nous, les écrivains, j'aime pas le mot intellectuel, pour moi, si nous qui sommes dans la... On essaye de penser contre soi, on est dans la pensée vers l'autre. Si on commence à nous auto-censurer, c'est qu'il y a un vrai problème entre... Il y a une porosité dangereuse entre le politique et la liberté de penser et la liberté de conscience. Moi, je vais vous dire comment j'ai pensé contre moi-même pour répondre à monsieur. Moi, je viens d'un milieu chrétien, très opposé comme la droite chrétienne, très opposé donc plutôt force libanaise, donc la milice de droite. J'ai grandi dans des zones protégées par la milice de droite. Ma mère a accueilli Israël en héros, enfin, fait partie, on va dire, cette famille-là fait partie des gens qui considèrent que... Sauf que j'avais une grand-mère qui, elle, avait une autre voix et qui me disait,
Moi, j'avais le lavage de cerveau, donc anti-palestinien. J'ai une juste. Par exemple, j'ai une petite histoire d'une petite fille. Moi, j'étais à Chypre, on avait échappé aux obus. Il y avait une petite fille qui jouait avec moi sur la plage. Parmi les privilégiés qui pouvaient fuir, elle en tant que palestinienne et moi en tant que libanaise. Et donc, je joue avec mon seau de plage à côté d'elle. Ma mère entend l'accent palestinien. Elle me retire et elle me dit : tu ne joues plus avec cette petite. Donc, on m'a présenté l'autre comme un mal absolu, comme quelqu'un à rejeter. Tout le problème, il est là. Mais sauf que moi, ce qu'elle a fait, en fait, les gens qui réagissent comme ça ne se rendent pas compte, si on a un peu de liberté de conscience et de curiosité, la curiosité de l'autre, eh bien moi, à partir de là, je me suis construite contre. Et j'ai fait tout un travail sur moi pour déconstruire cette mémoire manipulée par chaque communauté qui nous empêche, en fait, d'aller vers l'autre. D'où je dis qu'il faut à un moment donné tendre le bras vers l'autre, vers son histoire, vers son récit. Sinon, on n'arrivera nulle part. Si chacun se rattache à la justification à partir de sa souffrance, du déni de la souffrance de l'autre, on n'arrivera jamais nulle part. Jonathan Effetz, je vous donne la parole, j'arrive à lire, mais quand vous disiez, Yem, j'ai été élevé avec, en regardant l'autre comme le mal absolu. Parce que le Palestinien a pris la terre du Liban, il faut reprendre un peu l'histoire, l'intifada, les accords du Caire, nous les avons. Donc et considérant que les Palestiniens ont... Se sont retournés contre le pays d'asile, etc. Et ont voulu prendre le Liban. Donc après, c'est ce qui a provoqué la guerre civile. Donc on ne va pas maintenant faire un débat sur la guerre civile libanaise. Alors, je pense que moi, j'ai eu un peu plus de chance, désolé. C'est que déjà, j'ai une mère qui est très militante depuis toujours. C'est une femme rabbin qui a fait partie d'une organisation de personnes religieuses, rabbins et pas rabbins pour les droits d'homme en Israël et Palestine. Et en fait, aussi, ma grande chance, c'est que quand j'avais 16 ans, j'ai parti aux États-Unis avec Seeds of Peace, en fait, avec Grain de Paix. Avec Grain de Paix, l'association. Et j'ai rencontré des Palestiniens, Jordaniens, on avait même des personnes du Qatar et du Yémen. Que c'est un peu, encore une fois, hallucinant de penser là-dessus. Et je me rappelle que même le 7 octobre, les premiers téléphones que j'ai reçus étaient de mes amis palestiniens et jordaniens pour vérifier si moi je suis bien et si ma famille est bien. Et même une amie jordanienne où on n'a pas parlé pendant beaucoup d'années, depuis le 7 octobre, on est toujours en contact. Vous avez renoué le contact. Exactement. Et je veux reprendre les choses que tu as dit. Encore une fois, moi, mon trauma et ma lutte pour la paix, en fait, et contre l'occupation, ça vient de l'amour d'Israël, en fait. Moi, j'adore mon pays. Ça fait 3 mois que je suis à l'étranger. J'ai hâte de rentrer, déjà. Vraiment, j'ai hâte de rentrer parce que, vraiment, j'aime Israël avec tout mon cœur. Mais cet amour-là ne vient pas pour l'amour que j'ai pour mes amis palestiniens ou pour la libération que je pense que chaque peuple dans le monde doit avoir. D'ailleurs, moi, je n'appelle pas l'État d'Israël l'État juif, je l'appelle l'État pour le peuple juif. Parce que des peuples reçoivent des États. Moi, je suis fier d'être quelqu'un de peuple d'Israël. Je pense que ces derniers temps, mon État et mon peuple ne font pas les meilleures choses, entre guillemets, on va dire ça. Genre, pas entre guillemets, mais ils ne font pas les meilleures choses. Tu voudrais qu'ils fassent quoi ? Tu voudrais qu'ils fassent quoi ? Qu'est-ce que moi je veux qu'il fasse ? Oui, tu voudrais qu'il fasse quoi ? Vas-y, alors ok. Déjà, je pense, je ne sais pas, si Hamas est le meilleur ennemi qu'on a, pas lui donner de l'argent pendant 20 ans. Si tu es 20 ans, et je pense encore une fois que ce n'est même pas une question. Vous parlez du financement du Hamas par Israël en passant par le Qatar. Moi, je peux répondre à ça. Je vais dire une minute. Je vais seulement dire que je ne pense pas que c'est une question de gauche ou de droite. Non, vraiment. Bien sûr. C'est une question... parce que je passe pour une fille de droite. Je veux juste savoir qu'est-ce que... Alors, je vous dis. Encore une fois, moi, je ne pense pas que c'est une question de passé, présent, etc. C'est une question de futur. Je pense que le temps que nous, on continue à mettre des barrières, le temps qu'on continue à occuper un autre peuple, et il n'y a pas une autre façon de le dire, en fait, il n'y a pas une règle. La règle qui est à la Cisjordanie, c'est une règle militaire, en fait. Ils n'ont pas leur liberté. Alors, on peut dire checkpoint, on peut dire la sécurité. Je suis un grand croyant sur la sécurité d'Israël. Et en fait, une des choses que qui m'énerve tellement, c'est que le 7 octobre, en fait, Netanyahou, et je refuse de l'appeler Bibi parce que Bibi, c'est un nickname, c'est genre un truc sympa. Et non, Netanyahou, c'est son vrai nom. Et en fait, le truc que m'a fait le plus mal et le plus peur, c'est qu'il a eu, tu sais, il y a ce mime de « you had one job », il a eu un seul rôle. Vous avez une mission. Voilà. Et c'est la sécurité du peuple juif en Israël. Et il a échoué.
Il a échoué. Bien sûr qu'il et a échoué. Cette sécurité-là, et cette sécurité-là, vient pas. Et je le dis très clairement. Tu ne peux pas avoir une sécurité d'un peuple sur le dos d'un autre peuple. Valérie Abécassi, et ça, c'est dans l'histoire, en fait. Ce n'est pas mon opinion. D'accord, on regarde tous les conflits au monde. Je vous laisse répondre. Oui, non, je voudrais juste répondre. Il a dit beaucoup de choses. L'histoire et le peuple d'Israël va juger Netanyahou. Il sera jugé. Il va rendre compte de ses actes. Voilà. Après, maintenant... Tu me parles, on se tutoie, d'occupation. Oui, c'est vrai, Israël occupe la Cisjordanie. C'est honteux, contrôle, je l'ai dit dans mon livre, contrôle les allées, les venues. Et Israël n'occupe plus Gaza. Même la stratégie de Netanyahou, à un moment donné, c'est de dire, allez, on va donner de l'argent. On peut dire ça comme ça. On va ruisseler, ça va ruisseler. Et peut-être que si la société gazaoui va bien, peut-être que la société israélienne du Sud ira bien aussi. Est-ce qu'on peut se dire que ce n'est pas la seule raison pour laquelle tout cet argent, c'est le Hamas. Ce n'est pas qu'ils ont construit des maisons, des fragilisation des autres forces palestiniennes. Pardon, Karim, je vous ai... Non, je dis juste qu'il y a eu beaucoup d'enquêtes qui ont été faites qui montraient aussi que le camp de Netanyahou fragilisait aussi l'autorité palestinienne en finançant le Hamas. Ça, c'est... Bref, c'est un autre débat. C'est un autre débat. Mais il n'empêche qu'on peut se dire aussi, pourquoi pas regarder à l'envers et se dire d'argent qui est arrivé à Gaza, énormément d'argent. Votre argent, vos impôts, beaucoup d'argent de l'Union européenne. Qu'est-ce qu'ils en ont fait? Des écoles, des hôpitaux, des abris? Non, pas du tout. Mais vous dites en gros, il n'y a pas d'alternative à ce qui se passe mais aujourd'hui. Mais non, mais bien sûr qu'il y en aura une, pas en ce moment. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire en bas, alors, on donne pourquoi de l'argent, pas en ce moment. Ça marche alors, pas. Quand, en haut, on alors, occupe, quand. Ça marche pas. Eh bien, moi, je suis désespérée, je suis comme vous, je suis désespérée parce que, voilà, et je rajoute aussi que Smotrich et ces deux illuminés du gouvernement, ils ne font pas partie du cabinet de guerre, ils ne dirigent pas. Donc, c'est terrible ce qui se passe. On ne fait pas la paix quand il n'y a pas une guerre, on fait la paix quand il y a une guerre, Et les intellectuels, parce que, voilà, vous parliez des intellectuels. Tous les intellectuels et tous les artistes de Tel Aviv que tu dois connaître, qu'on connaît, qui ont pignon sur rue, on va dire, en France, ils ont été atomisés. C'est des gens qui sont à gauche, qui étaient comme tout ce que nous sommes. Comme vous. Oui, on peut dire ça comme ça. J'ai voté extrême gauche, j'ai voté à gauche. Tout a explosé le 7 octobre. Donne de l'argent, ça ne marche pas. Donc maintenant, vous voteriez à droite, en fait, parce que ça a explosé, vous voteriez à droite. Qu'est-ce qui a explosé? La gauche n'a été en pouvoir depuis 20 ans. Bibi va être jugé. Non, mais en tout cas, ce que j'entends, c'est que... Le pays devra rendre des comptes. Le type du 8-200, il a donné sa démission. Il va y avoir ça. En tout cas, vous ne savez plus quoi penser. Pardon? Vous pleurez, vous dites. Je ne sais pas, je ne sais plus quoi penser. Je pense aux artistes. Voilà. Ce que font les artistes, c'est qu'ils écrivent. Moi, j'ai écrit un livre parce que je ne pouvais pas faire autrement. Tous les réalisateurs de Lebanon, de Vals avec Bachir, qui ont travaillé sur la guerre du Liban. Ils sont des réalisateurs israéliens. Ouais. Voilà, ils sont en train de réaliser des documentaires, des films. Ils ne savent plus quoi. Ils ne peuvent plus penser la paix. Ils racontent cette épouvantable année qu'on a vécue, comment toutes nos idées de gauche, de paix, de tendre la main, comment tout a été pulvérisé par le massacre du 7 octobre. Et ça, il faut l'entendre. On l'entend. Et les gens du Sud et les gens du Nord. Nathan Dever. Si on revient peut-être juste une seconde sur quoi vous venez de finir sur le 7 octobre, peut-être revenir juste sur la portée de cet événement pour la société israélienne. Je pense que ce qui s'est passé le 7 octobre, ça a été les attaques qu'on a vues, les attaques terroristes, ça a été la résurgence, vous parliez des traumatismes, de plein de traumatismes sédimentés à la fois dans la mémoire israélienne, il y avait un effet guerre de Kippour, attaque un jour de fête religieuse, il y avait un effet évidemment qui rappelait Munich, la question des otages, l'enlèvement de Gilad Shalit, mais par-delà, il y avait des traumatismes qui étaient hérités presque de la mémoire ancestrale, de la mémoire juive, ça rappelait les pogroms, certains ont revu des résurgences de la Shoah par balle, etc., etc. Ce que ça signifie, c'est qu'Israël a vécu non seulement une attaque, mais a vécu en quelque sorte une journée de sa mort. Il y a cette expression, vous savez, se voir mourir. Pendant une journée, Israël s'est vécu mourir au sens où cet État qui a été construit pour être un refuge pour les Juifs est devenu en un sens leur piège. C'était ça tout l'enjeu du 7 octobre. Après, moi j'ai vraiment l'impression, je ne suis pas israélien, je regarde ça de loin, je le dis avec beaucoup d'humilité, mais j'ai l'impression que les réactions ne sont pas monolithiques par rapport à ce traumatisme. Mon épouse a fait un documentaire sur le 7 octobre, la trace qu'elle a laissée, notamment chez les survivants. Elle est allée le tourner trois semaines après, elle a commencé à le tourner trois semaines après le 7 octobre. Elle a rencontré notamment des survivants d'un kibboutz juste à côté de Gaza, qui étaient des gens de gauche, qui avant le 7 octobre allaient à Gaza pour, vous savez, prendre des gens, les amener à l'hôpital en Israël, etc., qui étaient impliqués dans la paix, qui vraisemblablement avaient été aussi infiltrés par quelqu'un qui avait trouvé les plans du kibboutz et qui était un des Palestiniens qu'ils aidaient eux-mêmes. Et mon épouse leur a demandé, je crois, au mari, mais si c'était à refaire. Et il a dit, mais je le referais.
Je referais. C'est incroyable d'entendre ça. Et puis de la même manière, on entend, on voit toutes les semaines, depuis un an, des centaines de milliers d'Israéliens qui sortent avec à la fois un drapeau israélien dans la main, donc ils sont fiers, ils aiment leur pays, ils sont patriotes, ils ne sont pas, si vous voulez, anti-sionistes, et en même temps avec des revendications de paix, des revendications d'arrêt des combats, de cesser le feu, de libération des otages, et une pensée évidemment pour les civils d'en face. Et vous avez en face, et moi je le dis, je pense que c'est une honte que ces deux ministres, dont vous avez dit, en effet, ils ne sont pas au cabinet de guerre, ils s'agitent, mais ils contrôlent la police. Oui, bien sûr, contrôle la police. Peut-être juste une chose pour finir sur une question concrète. Je pense qu'Israël, demain, devra se poser éventuellement la question d'un changement de régime. Parce que nous, on le voit en tant que Français depuis la dissolution, quand vous êtes dans un régime parlementaire, où vous avez un parti qui peut faire 5 à 10% des voix, qui est très marginal, avec des fous furieux dedans, et qu'il devient faiseur de roi, et que c'est lui, si vous voulez, s'il se retire, il peut faire tomber tout un gouvernement, faire tomber un Premier ministre, c'est évidemment un problème. Et je pense que cette question-là deviendra sans doute brûlante, ça prendra du temps, on n'écrit pas une constitution en 5 minutes, mais que ce sera peut-être une perspective vraiment très concrète d'apaiser la société. – Personne n'a fait tomber le gouvernement, vous avez remarqué. – Sabine Goussou, vous voulez réagir ?– Nous aurions peut-être ça en commun avec le Liban, nous aussi nous devrions revoir notre constitution. Ah oui. Et c'est ça un pays qui avance en fait, c'est un pays qui apprend de ses erreurs et qui se dit bon, comment est-ce qu'on va faire désormais pour que ça n'arrive plus? À un moment donné, il faut que ça change. Et je pense, c'est merveilleux le témoignage que vous dites, si c'était à refaire, il le referait. Ce n'est pas parce que vous perdez quelqu'un dans votre famille que vous changez de gauche à droite. Quand vous avez construit votre pensée sur la non-annihilation de l'autre, quelle que soit la situation, on ne devient pas un monstre parce que de l'autre, voilà. Donc on reste sur des moi je crois pas, vous aviez dit tout à l'heure, vous avez parlé d'amour, on n'a pas été, quand l'État d'Israël a été créé, voilà. – Ne voulez pas ?– Oui, parce que, simple, oui, mais l'amour est une utopie. Non, moi, je voudrais. Non, on n'a pas. Il n'y a pas d'amour. Il y a la tolérance. Il y a le respect. Moi, je crois dans ces valeurs-là. L'amour vient après. L'amour, c'est en fait. En tout cas, il y a de la tolérance. En tout cas, on n'est pas obligé de s'aimer pour vivre ensemble ensemble ou à côté les uns des autres. Et donc, comment fabriquer une constitution justement qui empêche des fous furieux d'instrumentaliser un pouvoir pour finalement tenir en otage un peuple? Car c'est le cas aujourd'hui. Les Israéliens sont otages de la politique de Benjamin Netanyahu. Et pour terminer votre phrase, et les Libanais sont otages. Et les Libanais aussi sont otages d'un parti du enfin, oui, mais qui a une certaine légitimité. Non, qui a une légitimité aujourd'hui. Alors si c'est les. Je vais vous dire parce que le territoire libanais est constamment envahi. Nous sommes un pays qui ne sommes pas en pas paix. Par Israël, non, je vais vous dire, Israël n'occupe plus le Liban territorialement, mais le ciel. Je peux dire, notre espace aérien ne nous appartient pas. D'accord ? On est occupé tous les jours par le ciel. On n'a pas la bombe atomique, on n'a rien, on est des faibles. Israël ne survole pas les. Ah ben, bah, oh là. Ah si, si. Ah ben, bah, si. Moi, je vous dis, le mur du son, tous les jours. Tous les jours. Sûr et certain. Non, mais je peux le dire parce que je le sais, en fait. Vous entendez des avions, mais vous voyez des. Une des raisons qu'Israël et Netanyahou ne voulaient pas rentrer tête à tête avec Poutine, c'est pour que le gouvernement israélien pourrait toujours voler autour de la Liban et la Syrie, pour aussi bombarder des convois qui sont arrivés de l'Iran, mais jusqu'à présent, la Russie et Israël volent quand ils veulent autour de Liban et la Syrie. On est proche de la fin de l'émission. C'est dans les news, quoi. C'est dans les médias. S'il vous plaît, les amis. Sabine Goussoum. Non, moi je voulais juste rebondir à ce qu'on disait tout à l'heure sur la gauche, sur la droite, je ne sais plus très bien ce que signifient ces termes, même partout dans le monde, mais je pense j'ai un ami israélien qui m'a dit qu'il est très difficile d'être de gauche en Israël depuis le 7 octobre, et c'est vrai, en temps de guerre, au Liban, en Israël, en Palestine, il est très difficile d'être de gauche dans ces moments-là, et ce que tu racontais tout à l'heure... D'être de gauche ou d'être pour la paix en tout cas, parce que... Oui, en tout cas... Tout le monde est pour la paix. Tout le monde n'est pas pour la paix, malheureusement. Là, on est pour la fin de la guerre. Dans toutes les sociétés dont on parle, tout le monde n'est pas pour la paix. Là, on est pour la fin de la guerre, surtout même avant la paix. On voudrait juste la fin de la guerre, et c'est ce que je pense qu'on devrait tous demander autour de cette table, de manière très claire. Hezbollah, Netanyahou, peu importe, c'est la fin de la guerre, parce que ça n'apporte aucune solution, ça n'a pas ramené les otages, ça ne va pas faire supprimer le Hezbollah ni le Hamas. Et donc là, je pense qu'il faut juste demander la fin des hostilités, et on verra ensuite quoi faire. Et sur le mouvement de la paix, je suis d'accord, je ne les ai pas connus non plus, les mouvements de paix. Et moi, ma démarche vient de ça. Elle est née de ça, qui malheureusement aujourd'hui est minoritaire. Je ne connais pas ton mouvement exactement, mais je pense qu'aujourd'hui, ces voies de paix, ou en tout cas de rapprochement, parce que la paix, ça peut être un grand mot qui ne sert à rien, mais de... L'apaisement, dit l'historien Vincent Lemire en ce moment. Exactement, ben ça, je pense qu'on est des voies très, très,
très minoritaire dans nos pays. On est vraiment... Je vais reprendre la parole et je vais vous remercier. Vraiment, très, très, très sincèrement, merci beaucoup pour cette discussion. C'est pour ce genre d'émission. Je pense que c'est ce soir a le mérite d'exister. En tout cas, j'en suis très fier. Merci beaucoup d'être venu discuter ce soir. Merci Yami Arès. Votre dernier livre est ici. Il s'appelle Implosion, publié aux éditions Les Équateurs. Valérie Abécassis, votre livre est sorti aujourd'hui. Place des otages aux éditions du CERF. Nathan Dever, merci beaucoup. Pensez contre soi-même. C'est un peu le thème de l'émission en partie. Je suis sorti en début d'année chez Albin Michel. Sabine Goussoub, je peux envoyer à votre bon cours des lycéens. Beyrouth sur scène, qui est paru chez Stock. Et merci à vous, Jonathan Effet, et je cite votre association qui s'appelle Seeds of Peace, les graines de la paix. Bon retour aux uns et aux autres au Liban ou en Israël. Et merci beaucoup, Camille. Je vous donne rendez-vous lundi soir sur ce plateau. Ciao.